أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السما طالب بني هندونجي. لمران يكون ميلان. سودان يودان يور ألوام. أكتيرم. وبنيه لي كو كونسيرني ييب موي جانغي بي رك سو توغي تودي داي فاتلو كو نخ موكلنا ولا ماكلول داي نييو سي مان ديما لاجال لي مو دون جانغ سوما كوكو ليرالي رك مو تام توك مي دي ياغ توت رك مو نييو دادي تري بينام بوبو سي ماكالو professeur d'anglais j'ai connu Abdou Fattah Seck au CM Mam Thierno Birahim Bakay de Colobane où j'ai été affecté en 87-88. Je me souviens qu'il y avait de bonnes notes, qu'il y avait une belle plume, hein, qui écrivait bien, hein, qui se mettait toujours devant, qui s'intéressait aux cours, et comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a eu de bonnes notes dans les devoirs et en composition. J'ai connu le groupe d'Ardi au lycée de La Fosse, parce que j'avais là-bas un centre de formation en partenariat avec le lycée, où j'ai fait mes études, qui s'appelait Junior Informatique. C'est ainsi que le proviseur du lycée à l'époque, Aïb Sall, le directeur des études Abou Sambou, ainsi que M. Ibrahim Mbodj aussi, Feu Ibrahim Mbodj, qui était le surveillant, m'ont mis en contact avec eux. Ils m'avaient dit, voilà, il y a un groupe de jeunes qui sont talentueux, donc il faudra les encadrer. Un groupe fantastique qui, à l'époque, avait révolutionné le rap au Sénégal. Tous les jeunes voulaient s'identifier au groupe d'Ardi. Pourquoi? Ils étaient donc étudiants au lycée de La Fosse. Ensuite, donc, ils avaient le bac. Ainsi, les jeunes commençaient à s'identifier en eux en disant, tiens, nous pouvons être élèves ou étudiants, mais en même temps, n'est-ce pas, faire la musique quoi, comme loisir. Voilà donc, le groupe d'Ardi est venu sur la scène avec un nouveau style de musique et véritablement a fait redistribuer les cartes. Et ils ont fait un an ici avec nous quand même. Une année fantastique hein, où on allait au cours, après parfois dans la récréation, bon, Fada faisait ses salmoudis, etc. Non, c'était vraiment fantastique. De grands moments que l'ISEG a vécu. Donc, il y a un aspect que j'avais oublié de souligner, et ce sont ses relations avec Bongo. Et il m'impressionne beaucoup. Parce que c'est des gens qui, c'est deux personnes qui s'entendent à merveille. C'est de vrais complices. Par exemple, j'ai entendu, j'ai écouté sa chanson, Espérance. Et que moi, quand j'ai entendu cette chanson, j'étais tellement contente. Parce que je me disais, voilà, je me vois à travers cette chanson. Peut-être cette chanson, c'est la chanson que me dédie Fada Freddy. Et j'aimerais qu'il chante davantage des chansons en espagnol. Parce que c'était un élève excellent, que j'aimais beaucoup et qui était très bien en espagnol. C'est Ibrahim John, je suis professeur d'anglais. C'est Mam Thierno Birahim Bakay, de 85 à 98. En tant qu'élève, je dis que j'étais marqué, il m'a marqué par son sérieux et son caractère studieux. Et c'est quelqu'un qui était vraiment très courageux, qui ne lésignait pas à la tâche. Et je vous dirai pourquoi d'ailleurs, même ça s'est révélé dans sa carrière artistique, quelqu'un de très déterminé. Et comme disait l'autre dans une chanson du Bembeya Jazz à propos de Samori, qu'il était armé d'une ténacité inaccessible au découragement. Parce que je sais que s'il devait céder à la première difficulté, il n'aurait pas accédé à ce stade aujourd'hui. Suivre dans la discipline, travailler avec le maximum de sérieux pour réussir. La première soirée que j'ai fait à Dakar, je l'ai fait au Tchossan. Je l'ai fait par l'intermédiaire de DJ Maktar. Je l'ai fait avec Daredji. Et j'ai appris à les connaître. J'étais tellement imprégné de leur travail que j'aimais bien rester avec eux dans la maison qu'ils habitaient à Sacré-Cœur. Donc finalement, plutôt que d'aller à l'hôtel et tout, je préférais rester là-bas et puis partager avec eux les répétitions tous les jours après le concert. Ça me faisait penser un peu à des professionnels de foot qui, après le match, faisaient le décrassage.
toujours en train de travailler, toujours en train de s'inspirer, d'écrire. C'est avec un immense plaisir et une très grande émotion que je parle d'un de mes meilleurs élèves en éducation musicale. Il s'agit de Ndongo, du Daregui Family. Il a été un excellent élève en éducation musicale. Déjà, en classe de 5e, il est venu une fois, après le cours, me dire « Monsieur, je vous amènerai la semaine prochaine des morceaux que j'ai écrits. » La semaine suivante, il m'amène les morceaux que j'ai gardés une semaine avec moi pour les lire. Les morceaux étaient tellement bien travaillés, les rimes étaient tellement bien travaillées que je me suis dit que ce n'était pas lui. La semaine suivante, je viens, je lui dis, « Monsieur Ndongo, vraiment, si vous continuez, vous deviendrez un excellent musicien. » C'est appréciable de voir que, comment les artistes évoluent. On les a connus, ils avaient à peine 20 ans. Maintenant, il y a la maturité qui arrive. Et bon, il y a tout un univers de Daregui qu'ils n'ont jamais laissé. Hein, parce que c'est vrai que c'est des garçons, ils auraient pu choisir la facilité et tout, mais ils ont leur style. Ils ont leur style, ils ont imposé leur musique aussi. Pour leur anniversaire, je pense que ça va réunir la nouvelle génération et aussi tous ceux qui ont connu leur début. Une fois en cours de musique, il est venu avec son ami, Fada, avec sa guitare. Et ils ont animé mon cours le cours de musique. Sans que je ne puisse rien leur dire. Il a été excellent en classe, travailleur, discipliné. Les morceaux qu'il m'a présentés, c'était des rimes tellement bien travaillées, avec des liaisons. Je n'ai pu rien corriger là-dessus. Donc, je suis fier de toi. Le maître n'est vraiment pas le maître tant que l'élève ne le dépasse pas.